Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de la patience, merci de l'intérêt. Comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir ce matin, sur le plateau de la rubrique Le Point, le chef suprême du Vaudou, Sa Majesté Dada de Uno Una II, du Bénin ou du royaume d'Ahomé. C'est avec plaisir qu'on les accueille aujourd'hui. Je signale en passant que Sa Majesté est accompagnée de Sa Majesté la Reine, aussi avec nous le Fa, et qui ne vont pas prendre la parole ce matin. Il revient donc à Sa Majesté le droit et le privilège de répondre à nos questions. Sa Majesté, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour. Je rappelle en passant que vous êtes la plus haute autorité du Vaudou au Bénin. Et vous êtes un héritier de ce titre que vous avez. Parlez-nous un peu, ou encore en quelques mots, de ce que c'est que le chef suprême du Vaudou au Bénin. Bonjour. Avant de commencer, je voudrais dire un bonjour à tout le peuple haïtien qui m'avait accueilli comme membre de la famille. Et comme je le dis, je suis chez moi en Haïti, je suis en famille. En parlant de Vaudou, il y a une organisation. Une organisation depuis le temps de nos aïeux, où il y a un chef spirituel suprême. Et le chef spirituel suprême est à la tête et il a d'autres qui sont sous lui avec de divers titres. Moi qui suis ici, je suis le chef spirituel suprême du Vaudou Rwendo, et quand on ajoute Rwendo, ça veut dire que c'est l'originel Rwendo. Et je suis en même temps, de par mon nom qui est Hounon, Hou qui signifie la mer et océan, Non qui signifie la mer de la mer, en parlant de la mère qui donne un enfant, ça veut dire que je suis la mère de la mer, donc le roi des mers et océans. Et c'est à ce titre que il y a le chef spirituel suprême qui est là, où tous les autres dignitaires, grands dignitaires, sont sous lui. Donc il y a ce que nous appelons le grand conseil du Vaudou Rwendo. Et le grand conseil du Vaudou Rwendo, il y a un comité, si nous voulons parler en termes modernes, un comité exécutif, il y a un comité scientifique et il y a la population, la communauté. Le comité scientifique, c'est du fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de lier la tradition à la modernité et que toutes nos sorties doivent être transcrites. Et à la tête de ce comité, c'est un sociologue, un professeur anthropologue qui est à la tête et répondant au nom de Désiré Émile Ologuru. Et avec pour Togbé, ce que nous appelons Togbé, c'est lui aussi, il est le responsable suprême au niveau de ce comité scientifique, on l'appelle Amadjéré Kovi Kwedako. Que signifie
Kwelakon, c'est un nom. C'est un nom de famille. Okay. C'est un nom de famille. C'est différent de Wendo. Oui, c'est différent de Wendo. Donc, c'est les deux personnalités clés qui ont... C'est des professeurs d'université, mais qui, à un moment donné, dans le cadre de la liaison de la tradition à la modernité, constituent le noyau central de ce comité scientifique. Où, aujourd'hui, nous avons aussi une école dans le milieu traditionnel vaudou. Et dans cette école, il y a l'enseignement officiel académique auquel s'ajoutent les apports traditionnels pour permettre à la génération future d'être éduquée dès la base dans ce système traditionnel de vaudou. Vous êtes arrivé en Haïti il n'y a pas longtemps, mais j'ai appris que vous avez eu le temps de visiter la plupart des péristyles ici en Haïti. Vous étiez également à la Souvenance, puisque nous parlons dans un premier temps au cours de cette émission du vaudou. Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce qu'il y a une différence dans la pratique du vaudou chez vous et chez nous? J'ai eu le privilège d'être bien reçu en famille vaudou. Bon, parler de différence, c'est un peu un mot très fort pour moi, de mon point de vue. Mais ce que j'ai vu, parce que ça fait des siècles que les gens étaient là, mais sous un maître donné, un maître à tout faire, un maître qui a droit de vie sur eux. Et ceux-là ont su garder ce qui est essentiel. Nous avons vu tout ce qui s'est passé, les rituels, le fond demeure. Pour nous, lorsque le fond demeure, il n'y a pas ce que vous appelez en termes différence, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Maintenant, si nous parlons de la pratique du vaudou, on sait que le vaudou figure parmi les cultes les plus populaires chez vous. Il y a aussi de la tolérance. Quels sont donc les témoignages que vous avez reçus de la part de ceux qui pratiquent le vaudou chez nous? Non, vous voyez, la première des choses, ce n'est pas tout le monde qui est admis là où le sacré se trouve. Parce que dans le vaudou, vous avez le cultuel et vous avez le culturel. Le culturel, ça concerne tout le monde. Mais le sacré, ça ne concerne pas tout le monde. Nous, garants de cette tradition vaudou, nous avons été admis dans les lieux sacrés, véritablement sacrés, où ce qui se fait là, nous avons vu du point de vue spirituel, nous sommes contents. Et c'est un véritable témoignage que je les félicite. Puisque après plusieurs siècles de persécution où on ne leur a pas permis d'observer régulièrement et de façon publique leur culte, ils ont su garder ce qui est essentiel et qui est malgré, là. Malgré que cela n'a pas toujours été facile. Mais quand on parle de Sa Majesté Dada Adé ou non, ou Dade, c'est plusieurs millions d'adeptes éparpillés à travers le monde. Vous avez fait le constat, ce constat ici en Haïti aujourd'hui. Peut-être votre père l'avait fait lors de son passage ici en Haïti. Mais est-ce que c'est partout pareil, cet aspect culturel et culturel à travers le monde, là où vous avez déjà visité, les endroits que vous avez déjà visités? Oui, sinon le vaudou n'aurait plus son sens aujourd'hui. Le vaudou
considérée comme une religion à part entière et reconnue même par l'UNESCO. Mmh. Et partout où nous passons, nos premiers gestes, nos premiers sens d'observation, c'est de voir si le cultuel est là. Mmh. Ce n'est pas seulement en Haïti, on a été au Cameroun, on a été en Afrique du Sud, on a été au Zimbabwe, on a été au Ghana, un certain nombre de pays où nous avions observé ces gens. C'est vrai que partout, ce n'est pas le nom vaudou, mais c'est dans le rang des religions traditionnelles, des pratiques traditionnelles, et le cultuel est là. Si ce n'est pas par le nom qu'on appelle, c'est du fait que nous ne parlons pas la même langue. Mmh. Est-ce que vous pensez que chez nous, l'État, par exemple, a un rôle à jouer dans l'organisation du vaudou? Naturellement, oui. Parce que le vaudou, ici, en Haïti, a été le substratum de la liberté de cette terre. Ça veut dire que le vaudou doit être reconnu dans toute sa forme, dans tous ses méandres. Parce que la chance que Haïti a, c'est du fait que toutes ces divinités qui ont traversé l'océan pour venir ici ont fédéré leurs énergies ensemble. Ce n'est pas de façon éparpillée. Et dès lors que vous avez toutes les énergies concentrées quelque part et qui a pu permettre et que Haïti soit libéré véritablement, c'est un privilège, un grand privilège, et c'est une grande chance pour Haïti de saisir pour dire à partir de là, le développement intégral de Haïti doit être assuré. Je sais que chez vous, encore j'ai appris que chez vous, vous jouez le rôle de médiateur. Et vous jouez ce rôle en, chaque fois qu'il y a des conflits, qu'il y a des crises. Est-ce que vous pensez que le vaudou est à un niveau tel que les prêtres ou bien l'ATI national peut arriver à un moment où il peut jouer ce rôle de médiateur comme vous le faites chez vous au Bénin? Oh, la nature a fait les hommes bons. Et c'est nous qui compliquons. De par nos comportements, nous déplaçons les pions de leur place. Mais ce qui est important et que nous reconnaissons aujourd'hui, c'est ce dialogue interreligieux qui doit être de mise. D'abord en interne, au sein de même culture et entre les cultures. Et je l'ai dit, l'UNESCO a reconnu le vaudou comme une religion à part entière et partant de là, Sa Majesté Dada Dagbo Akbesikuna Ier a été admis comme membre du comité interreligieux international du dialogue interreligieux en 1998 si j'ai bonne mémoire. Donc et prenait part à toutes ces réunions au niveau international. Dans l'éventualité donc il n'est pas question que on se sépare de l'autre. Lui, il est musulman, l'autre est protestant, l'autre... Je dis, sur le plan africain, je suis membre
de ce que nous appelons AIPA, Action interreligieuse pour la paix en Afrique, qu'on retrouve en anglais IFAPA. Au Bénin, je suis membre fondateur du cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin, où nous devons parler le même langage, mais nous respectons les principes des uns et des autres. Dans l'éventualité d'une relation culturelle très très intense, voire rapprochée entre le Dahomey et Haïti, quelle fonction vous voyez jouer? Non, je crois que mon arrivée ici est un déclic pour que chacun de nous, partageant, ayant en partage le vaudou, doit pouvoir enterrer la rage de guerre si elle existe, pour qu'on parle le même langage. Et ce n'est qu'à partir de là que l'État pourra nous prendre plus au sérieux. Donc, je suis arrivé ici, c'est pour une mission, ce n'est pas par un hasard. Et vous voyez bien, c'est une personne suisse. Je dis bien suisse. Mais quand vous voyez, c'est peut-être ayant des germes du vaudou dans son sang qui a pu permettre ce rapprochement par le projet qu'on appelle la troisième voie, rencontre d'ici et d'ailleurs, troisième voie que nous devons saisir pour nous tenir la main dans la main. Mon invite, parce que partout où je dois passer avant de partir, c'est que nous devons nous regrouper et faire taire nos querelles intestines pour aborder le sens du développement intégral du pays à partir de nous-mêmes. Est-ce que c'est pourquoi, Sa Majesté, vous avez parlé tantôt du rôle que le vaudou peut jouer dans le développement d'Haïti? Si. Parce que le vaudou, avant tout, c'est l'organisation de la vie sociale. Le vaudou, de par sa signification sur le plan sémantique, vaudou qui signifie la paix, la tranquillité, la quiétude, le bonheur, le bien-être social, et donc, qui signifie puiser, chercher, rechercher. Si nous tenons qu'à sa signification, ça veut dire que nous n'avons pas le droit d'être en colère contre l'autre, d'avoir une hantise contre l'autre. Nous devons mettre toujours la balle à terre. Et c'est cette mission que j'ai pour dire, inviter mes pères qui sont ici, vous dites, nous devons parler le même langage pour sauver ce pays. Nous devons soigner cette terre que nous avons souillée de par nos comportements. À part le vaudou, Sa Majesté, est-ce qu'il y a une autre possibilité ou encore d'autres moyens de rapprochement entre Haïti et le Bénin? Non, en fait, est-ce qu'on pourrait encore parler de ça? Sinon, par essence, Haïti et le Bénin sont toujours ensemble. Comment? Du fait que ceux qui sont ici, qu'ils soient nés au Bénin ou non, ont transité par le Bénin, par la ville célèbre, berceau de vaudou, Ouidah. Et ce lien qui existait depuis est toujours là. Et peut-être notre arrivée ici, avant l'arrivée de mon père, mon arrivée, et l'arrivée de certaines personnalités qui étaient ici venant du Bénin, ça veut dire que nous sommes condamnés à rester ensemble.
Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. J'ai entendu parler d'un projet de ligne touristique entre Haïti et le Bénin. Est-ce que ça tient encore? Vous savez, nous avons notre président actuel qui est là et qui tient beaucoup au développement intégral du Bénin. Le développement intégral du Bénin à partir du tourisme. Et à Ouida, il y a ce projet dénommé projet de compétitivité du tourisme transfrontalier. Mmh. Ça veut dire que si nous devons aborder le développement intégral, on doit se baser sur les cultures, sur nos cultures, et notamment nos cultures endogènes traditionnelles. Et je le dis, voilà, en 1984, cette pente a été déjà amorcée par le jumelage de la ville de Ouida avec la ville de Prichard d'Alabama par le biais de John Smith, le maire. Ensuite, il y a eu ce que nous avions appelé Ouida 92, mais c'est le Forum des arts et cultures vaudou Retrouvailles Afrique-Amérique, tenu en 1993. Tout ça là, réuni, a permis à ce que le contact régulier Haïti-Bénin se faisait et continue de se faire. Et mon arrivée ici doit donner encore de souffle, d'oxygène à ce que on dit c'est les frères, c'est la même famille et la porte est grandement ouverte aux uns et aux autres. Le président de chez vous, M. Talon, a embrassé le vaudou. Que pouvez-vous nous dire de sa politique vis-à-vis du vaudou? On ne peut que le remercier pour lui dire qu'il reconnaît les valeurs morales, éthiques, spirituelles et religieuses de son pays. Et qu'il reconnaît qu'on ne peut pas développer un pays sans sa culture. Et c'est là son mérite. Et nous le félicitons, toute la communauté vaudou le félicite. Et c'est en cela que Ouida est heureux d'accueillir ce projet de compétitivité du tourisme transfrontalier. Nous savons que le vaudou est totalement toléré, comme je l'ai dit déjà. Il y a de la tolérance chez vous, mais ce n'est pas pareil partout. Dans certains pays, par exemple, ça peut arriver que des vaudouisants soient persécutés. Comment Sa Majesté entend s'y prendre pour faire reconnaître ou encore pour stopper cette pratique? Non, vous savez, l'un des principes chers du vaudou, c'est la tolérance. C'est l'acceptation de la différence. C'est l'acceptation de l'autre dans sa forme, dans son comportement. Et c'est ça qui avait permis à ce que nos aïeux avaient accueilli les autres religions dites du livre, les religions révélées. Ce n'est pas par hasard que à Ouida, comme vous l'avez, vous connaissez un peu, il y a le temple de Python, du vaudou Python, en face de l'église catholique de l'Immaculée Conception, aujourd'hui basilique mineure. Et quand vous voyez la carte religieuse de Ouida, vous avez l'église protestante entourée de plusieurs temples de vaudou. Vous avez la grande mosquée de Ouida qui est séparée
par une ruelle d'à peine 4 mètres, 5 mètres. Et ce lieu qui est à côté de cette grande mosquée, c'est le lieu de consécration des grands dignitaires du Vaudon. Avec calme et pondération, les vaudoisans vont aboutir à ce développement intégral du pays. Nous savons aussi que chez vous, on fête le vaudou le 10 janvier. Est-ce que vous pensez qu'un jour, cette fête pourra être simultanément célébrée dans plusieurs pays? Si oui, qu'est-ce que vous entendez faire pour y arriver? Non, la fête du Vaudou, le 10 janvier, c'est une journée reconnue par l'État, institutionnalisée, chômée et payée. Une fête nationale, mais aujourd'hui qui a pris un caractère international parce que tout le monde y est. D'abord, c'est même dédié à la diaspora noire pour une récolte spirituelle. Ça peut, ce n'est pas exclu que ça puisse être une fête même de portée internationale où, en même temps, en la fêtant dans un point A, on peut la fêter dans un point B. Mais ce qui est important et qui ferait partie de nos doléances, c'est que il y a un certain nombre de dates marquant le vaudou en Haïti ici. Et je crois sincèrement que si nous prenons aussi cette date, tout comme on a pris le 10 janvier là-bas, tel que le 14 août, je crois que ça sera justice faite. Sa Majesté, un peu d'histoire avant de refermer cette émission. Les Haïtiens, des Haïtiens ont des ancêtres ou des aïeux béninois, pour vous répéter. Et comment vous expliquez que le Bénin a mis tout ce temps, après tout ce temps, avant de déclarer son indépendance? Plus d'un siècle. Nous, c'était en 1800 et après la République du Dahomey, c'était en 1958, si je ne me trompe pas, ça fait plus d'un siècle avant de devenir indépendant. Et une indépendance qui allait être reconnue environ 2 ans plus tard par la France. Pourquoi le Bénin a mis tout ce temps avant de se déclarer indépendant? Vous avez déjà eu la réponse dans ce que j'ai dit. Avec calme et pondération, on arrive à atteindre les objectifs. Vous savez, et je voudrais qu'on fasse véritablement la part des choses. La liberté, l'indépendance. D'accord. On peut se sentir libre sans être indépendant. Ici, ce qui est important, c'est qu'on est parti de cette liberté-là. Et tous ceux qui se sentent menacés, persécutés, pourraient revenir sur cette terre. D'accord. Mais l'indépendance est arrivée avec le temps parce qu'il faut se préparer sur un certain nombre de choses. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur le plateau, ici, mais petit à petit, l'oiseau a fait son nid et on y est arrivé. Est-ce que ça tient encore le musée de l'esclavage? Qu'est-ce que vous entendez par musée de l'esclavage? Un musée qui rappelle la route de l'esclave, bon. et autres. Ok, la route de l'esclave existe et est là. Et se trouve de plus en plus amélioré pour permettre aux gens de reconnaître que c'est des lieux de mémoire. Des lieux de mémoire pour ne pas se venger, mais plutôt pour prendre des décisions pour dire plus jamais ça ne doit plus se passer. Il y a cette route qui existe et qui est là. Et il y a ce que nous appelons
le musée de Vaudon qui existe aussi à Ouida. Et le président actuel entend construire aussi un grand musée des arts et Vaudon dans la capitale. Vous voyez que c'est fort pour dire qu'il reconnaît les valeurs traditionnelles qui peuvent donner un boom pour le développement. Il y a aussi la porte du non-retour au Bénin. Que pouvez-vous nous dire sur cette porte, Sa Majesté ? Quand on parle de cette porte, nous sommes heureux. Nous sommes heureux du moment que le gouvernement et la communauté internationale ont compris qu'il faudrait qu'il y ait des lieux de mémoire pour dire plus jamais ça ne doit pas se passer. Cette porte a été érigée à un endroit multiséculaire où se faisaient des cérémonies, évidemment autant des royaumes dans la clandestinité, pour dire nos frères, nos parents qui sont partis doivent revenir. Et c'est avec le temps que mon feu père, Sa Majesté Dada Dagbo Kounon Agbessé Kounan Premier a dit, il n'est plus question d'un certain complexe d'infériorité et il faut mettre ça à nu. Et c'est ça que la première édition visuelle pour tout le monde s'était passée en 1991. Et cette porte, la maquette qui était arrivée, s'était complètement fermée. Et cette majesté, mon feu père a dit, non, pour nous, ce qui se faisait là, c'est une porte. Si vous fermez, ça veut dire qu'ils ne vont plus revenir, on doit pouvoir modifier. C'est pourquoi vous avez vu que la porte est grandement ouverte. On passe, on revient. Sa Majesté, on a souvent tendance à confondre les pratiques du vaudou et la sorcellerie. Et ceci dans plusieurs pays, y compris le nôtre, en Haïti. Qu'est-ce qui devrait être fait pour que la décantation puisse automatiquement se faire? Mais qui dit que le vaudou ou la pratique du vaudou est la sorcellerie, est la barbarie? Ce n'est pas nous. C'est l'autre de l'autre côté, de l'autre religion qui le dit. Vous savez, au départ, les missionnaires appelaient, jusqu'au temps de la colonisation, c'est le fétiche qu'on connaît chez nous. On ne connaît pas le vaudou. C'est peut-être en notre sein interne qu'on parle de vaudou. Mais sur le plan international, on parle de fétiche, qui est une injure. Une injure à ce peuple noir qui a sa religion et les gens ne voulant pas que cette religion, cette civilisation puisse exister, ont inventé des mots péjoratifs. Ont inventé toutes sortes de choses pour dire qu'il ne faut pas s'y approcher. D'accord. Nous avons nos rituels que nous faisons. Mais l'autre qui est là, j'ai dit tout à l'heure que nous avons été admis dans les lieux sacrés pour les rituels. Vous êtes à la radio ici, d'accord? Vous avez des principes. Si quelqu'un se met là et dit il faut aller couper une corde là-bas, est-ce qu'on pourra voir les images? On ne peut pas voir. Le type qui dit que c'est la sorcellerie, combien de ses enfants le vaudou a pris? Il y a un exemple que je donne très souvent, où c'est écrit dans les livres, le vaudou ou assis. Et quand vous allez fouiller les documents, même ici, vous allez voir ça. Vaudou ou assis. Vaudou est là, vous connaissez.
assis, c'est la femme. Roux, ça veut dire tuer. Vaudon a tué sa femme. Si toi, tu entends ça, en tant que journaliste, voulant t'approcher du Vaudon, que le Vaudon tue sa femme, est-ce que vous aurez le courage de s'y approcher? En toute réalité, non. Alors que tout simplement, ça signifie la personne est allée en initiation, en formation. Donc, il y a ces genres d'expressions qui font que ceux qui devaient s'approcher du Vaudon, là, sont au dehors. Et il y a peut-être une vingtaine, une quarantaine d'années, on te demanderait quand même de nous accepter sur ce plateau. Vous allez dire, ah, attention, ces gens-là qui sont des sorciers, qui sont barbares, je ne voudrais pas me présenter devant eux. Mais c'est comme ça. C'est parce que l'autre n'a pas voulu que nos civilisations soient de mise, que nos cultures soient de mise. Et pourtant, aujourd'hui, quand vous passez dans toutes les églises, les chorales sont inspirées de nos chants sacrés. Les musiques, la rythmique. Oui, avec la seule différence, certaines religions sont monothéistes et le vaudou serait polythéiste. À vous de me dire si c'est pas le cas. Ça dépend de l'angle sous lequel vous vous placez. Toute religion est d'abord par essence traditionnelle. D'accord. Et quand vous avez ici à la radio, ici vous avez un chef, d'accord. Et les autres sont sous vous. Vous avez des subdivisions. Et c'est comme ça. Le Vaudon, dans le Vaudon, il y a un être suprême qu'on appelle Maoulissa, et qui est comparé peut-être au Dieu, qui est comparé peut-être au God quand on prend l'autre, à Goth quand on prend l'allemand, à Deus, et ainsi de suite. Il y a toujours l'être suprême, un être suprême qui est là et qui coordonne les activités de tout le monde. Donc, ce n'est pas à plusieurs dieux, mais c'est à un dieu. Donc là, c'est le côté monothéiste du vaudou. Bon, je dis, ça dépend de l'angle sous lequel vous vous placez. Ouais. Avec quel sentiment vous allez quitter Haïti, Sa Majesté? Mais quand on est chez soi, quand on est en famille... Donc avec le désir de revenir? Le désir, je dis, si c'est les dieux, c'est les esprits. Si les esprits me disent, je te retiens jusqu'à tel moment, j'accepte. Êtes-vous en train de nous dire que cette visite que vous effectuez en Haïti a été commandée ou ordonnée par les esprits? Ah oui, ce n'est pas un hasard, je l'ai dit au départ. Ce n'est pas un hasard. Donc ce sont les esprits qui vous ont autorisé à venir. C'est inscrit que Sa Majesté Dada Kounokounan II devra être en Haïti en avril 2017 pour emboîter le pas à ses prédécesseurs, pour donner le déclic, pour dire que nous avons pour mission de nous mettre ensemble pour assurer le développement de nos pays. Qu'est-ce qui peut aider Haïti aujourd'hui à sortir du sous-développement? La première des choses, c'est ça que je viens de le dire. C'est d'abord assurer un dialogue sincère et franc. Entre qui et qui? Entre nous-mêmes d'abord. Et dès lors que nous aurons ce point de vue pour parler le même langage, les autorités politico-administratives vont nous entendre. Est-ce que la communauté internationale a un rôle à jouer? La communauté internationale a un rôle à jouer dans quel sens? Pour sortir Haïti du sous-développement. Avec ou sans le vaudou? D'abord, il faut partir de soi-même. Il faut partir de soi-même. Parce que quand tu parles de l'aide de l'autre, il doit toujours te dicter
ses règles. Mais si toi-même tu as su, comme vous l'avez dit, votre indépendance, ça veut dire que l'aide qui vient là ne peut que être complémentaire. Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra nous dire, alors, il faut faire ce panier-là, il faut faire ce banc-là, il faut faire ci, il faut faire ça, non. Nous devons être, nous devons nous prendre en charge nous-mêmes d'abord. Et puis après, l'aide extérieure peut venir. Et nous avons les ressources. En tant que vaudouisants, nous avons les ressources. Nous avons les valeurs qu'il faut. Et c'est à partir de ces valeurs. D'ailleurs, ça se démontre hein, quand vous prenez quelqu'un pour dire c'est un consultant pour venir faire un travail. Il s'appuie d'abord sur vous. Et c'est à vous qu'il va poser toutes les questions, celui-ci, tout ça là. Pendant ce temps-là, il prend des millions de francs pour partir, alors que c'est vous qui faites tout le travail. Sa Majesté, une dernière question. Est-ce qu'il y a lieu de comparer l'esclavage et l'holocauste juif? Je n'aime pas tellement faire ce genre de comparaison. Parce que chaque période a ses péripéties. Et aujourd'hui, la vie est un enchevêtrement de faits heureux et malheureux. Et ce que nous appelons faits malheureux, c'est dans ça là que nous devons tirer des enseignements, des leçons pour repartir sur de bases saines. Quelles sont les péripéties d'aujourd'hui? Non, je prends le côté toujours positif de la chose. Aujourd'hui, parce que les gens ont tout mis en œuvre pour nous diviser et ils continuent de le faire. Donc la division serait parmi les péripéties de l'heure? Oui, la division. Et il faut vous dire que nous devons nous estimer heureux. Combien de fois avez-vous entendu les voyous se battre entre eux, s'entretuer entre eux, alors que dans les autres, où les gens font des prières 24 heures sur 24 heures, s'entretuent tout le temps? Est-ce que c'est les vaudouisants? C'est nous qui avons préservé les forêts, la nature, l'écosystème. Mais les gens l'ont fait détruire. Vous prenez combien de fois on verse un certain nombre de choses dans les eaux pour les souiller. Et pendant ce temps, nous disons qu'il y a réchauffement de la terre, il y a ci, il y a ça, on engloutit des milliards de francs dedans. Alors que scientifiquement, c'est démontré que là où il y a peut-être les grands arbres et autres, il pleut beaucoup. Quand on ne déverse pas les eaux de ces usines dans les mers, dans les eaux, dans les rivières, pour faire mourir les poissons, pour souiller les eaux. Et ce qui est paradoxe, c'est que il y a des dispositions qui disent il ne faut pas verser ces trucs-là dans les eaux. Il ne faut pas abattre les arbres comme ça. Et aujourd'hui, voilà, on dépend des millions de francs. Tout le temps, on se dit, voilà, aujourd'hui, nous décernons le prix Nobel de la paix. Et pourtant, il y a toujours ces guerres. Sa Majesté, le dernier mot aux Haïtiens qui vous suivent à travers la télé. Je voudrais les remercier. Les remercier du fond de mon cœur pour dire que tel qu'ils m'ont accueilli, comme leur frère, comme membre de leur famille, je les remercie très vivement pour dire que la meilleure publicité se fait par soi-même. Nous devons nous attacher à nos cultures de base, à nos identités. Et si nous reconnaissons nos identités, rien ne serait arrivé de dehors pour nous troubler. Et notre mission à nous, c'est de faire en sorte que les membres de nos communautés vivent
en paix, vivre de façon décente, trouvant le pain quotidien. Et ce pain quotidien ne peut que partir de notre comportement, du changement de notre comportement. Nous devons nous accepter les uns les autres. Nous devons faire du dialogue, un dialogue sincère et franc, en interne, puis avec les autres, et mener des démarches auprès des autorités pour dire que si Haïti est bon, c'est que chacun de nous est bon. Ça doit partir de nous-mêmes, de l'unité familiale, de la communauté de base. Sa Majesté, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir accepté d'être avec nous à cette émission, la rubrique Le Point. Je vous souhaite un bon séjour en Haïti. Merci. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Sa Majesté Dada de Ognou Una II, dans le cadre d'une tournée spéciale en Haïti. Je rappelle que c'est une initiative du Laboratorio Arts Contemporain et dans le cadre de ce programme Rencontre d'ici et d'ailleurs, initié par l'ambassade de Suisse en Haïti. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC.